Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Tu as l'air préoccupé. Non, c'est rien. Enfin, c'est Françoise. Françoise? Bah, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Bah, tu te souviens qu'elle a été renversée par un autobus en sortant du restaurant où elle venait de rompre avec Jean-Michel. Mmh. Et qu'elle vient de passer 3 semaines à l'hôpital. Bah oui, c'est là qu'elle a fait la connaissance du docteur Darnal, c'est ça? Exactement. Et tu sais aussi que le docteur Darnal est marié. Bah oui, avec Michel, la demi-sœur de Françoise, et que Françoise ne le sait pas. Voilà, voilà, oui. Et le problème, c'est que Françoise et le docteur Darnal sont tombés amoureux fous l'un de l'autre. Alors là, évidemment, ça complique un peu les choses. Ça complique tellement que moi, je sais plus quoi faire. Et si tu faisais tomber la demi-sœur de Françoise de la falaise? Oui, oui, génial. Comme ça, Françoise s'apercevrait le jour de l'enterrement que Michel était sa sœur. Et elle et le docteur Darnal pourraient se consoler mutuellement. Ah, chérie, t'es génial. Oh, je t'adore. Un autre bisou. Et je m'intégrerai ça tout de suite. Je sens que ça va être super. Mais oui, elle tombe du haut de la falaise, bien sûr. Du haut de la falaise, je la fais tomber, mais oui. Mais qu'est-ce qui lui arrive à papa? Il m'a embrassé 3 fois en me faisant tourner en haut de l'escalier. Oh, rien, t'inquiète pas. Il vient juste de trouver le sujet du nouvel épisode d'amour, toujours. Mais au moins, ça me met de bonne humeur. Ça va, maman? Ça va très bien, ma chérie. Tu vois, j'avais un petit peu peur de cette semaine de vacances, mais finalement, tout se passe très bien. Je ne m'ennuie presque pas. Quelle est la provocatrice qui a osé prononcer le mot « vacances » devant de pauvres esclaves sans défense? Oh, Juju, ne fais pas cette tête-là. C'est tout de même pas le bagne, le lycée. Eh bien, il y a des fois, je me demande où est la différence. Ah si, je sais. Au bagne, on garde l'espoir de s'évader. Pauvre victime de la société. Alors toi, Hélène, tu peux parler. T'as fait le plus gros. La fac, c'est cool. Encore quelques années de patience, ma Juju. Quelques milliers de jours d'esclavage. Tiens, en fait, il y a du courrier pour toi, Léna. Merci. Tu me diras comment il va, Olivier? Comment tu sais que c'est Olivier, d'abord? Oh ben, fastoche. Les timbranements, ça court pas les rues. Alors, t'ouvres? Bah, tout à l'heure. Oh. Tiens, à propos d'Olivier, j'ai lu une statistique amusante dans le journal. Attends. Regarde, c'est là. C'est une étude qui porte sur plus de 3000 couples de moins de 30 ans. Eh ben, 80% de ceux qui sont connus à plus de 17 ans sont encore ensemble 10 ans après. Et 20 ans après, j'espère. Et attends. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui se sont connus avant 14 ans? Je voudrais pas te décevoir, ma Juju, mais il y en a seulement 9% qui tiennent le coup. Bon, de toute façon, ces statistiques, c'est bidon, alors. Ben oui, c'est comme les horoscopes. Quand c'est bon, t'y crois. Quand ça annonce des catastrophes, eh ben, t'y crois pas. Oh là. En attendant la catastrophe, c'est ce qui m'attend si je pars pas tout de suite. Mais tu as tout ton temps, il est à peine la demi. Oui, mais à moins le quart, on a un tournoi de flipper. Alors, tu vois ma tête si j'arrive en retard. Salut. Bon bagne. Qu'est-ce qui t'arrive, Roger? Ben, c'est Françoise. Je peux pas faire tomber sa demi-sœur du haut de la falaise, la comédienne qui joue le rôle est sous contrat pour 12 épisodes supplémentaires. Ouais, allez, allez, allez. Attention, elle descend. Ben oui. Allez, le carreau est à l'extra-balle. Attends, je vais t'aider. Merci, Juju. Oh là là, quelle partie. Dommage que Jérôme soit en retard, il va jamais me croire. T'inquiète pas, on lui dira. Oh mais hé, c'est pas fini. Maintenant, il te manque plus que d'avoir ce couloir-là et t'as gagné. Ouais, attends, attends, je vais t'aider. Oh non, tilt. Excuse-moi, je suis désolée. Oh, c'est pas de sa faute, hein. C'est la machine qui marche pas. À chaque fois qu'on pousse de ce côté-là, ça tilte. Ouais, bah de toute façon, c'était pas une bonne boule. Statistiquement, j'avais aucune chance de gagner. Ah bon? Tu crois, toi, aux statistiques? Bien sûr! C'est mathématique! Tu sais qu'on peut prévoir des choses insensées avec. Ah bon? Même le sujet du prochain examen de maths? Ça devrait être possible.
Dis donc, il est toujours pas là, ton Jérôme. Mais je sais pas ce qu'il fait. C'est pas son genre d'arriver en retard à un tournoi de flipper. Salut tout le monde. Salut Lisa. Salut Lisa. T'as perdu quelque chose? Non, mais j'avais rendez-vous avec ma cousine. Elle est pour quelques jours à Paris. Faut que je me la traîne. Elle est comment, ta cousine? Bof, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue depuis 2 ans. Mais elle était plutôt mignonne. Elle me ressemble un peu. Faudrait savoir, elle est plutôt mignonne ou elle te ressemble? C'est malin. Ouais, c'était juste pour rigoler. Tu sais bien que t'es belle. Tiens, je te le prouve. Je suis d'accord pour t'inviter au ciné samedi. Eh bien, moi, pas. Si tu veux, je suis libre, moi. Bon, d'accord. Bon, ben, je vais aller téléphoner à mes parents, elle a encore dû se perdre. Quelle tâche, c'est provincial. Salut tout le monde. Salut. Salut, Gégé. Voilà. Dis donc, t'es en retard, on avait dit moi le cas. Bah oui, mais il a fallu que je démonte ma meuble parce qu'elle voulait pas démarrer. J'étais obligé de changer les bougies. Tu t'y connais à ce point mécanique, toi? Un mec qui a une meuble et qui sait pas la réparer, c'est pas vraiment un mec. En tout cas, pour le tournoi, c'est fichu. Ouah! Vite de là! J'agonise! Parmets-toi! Ah, Jérôme, vous êtes là? Je n'avais pas vu dans quel café vous étiez entré. C'est pourtant celle qui est dans toute la rue. Jérôme, tu nous as pas présenté ton... une amie. Bah, c'est Sylvie. C'est une copine. Pourquoi vous ne leur dites pas la vérité, Jérôme? En réalité, vous m'avez sauvé la vie. Elle a toujours été très... chevaleresque. Oh là 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 là! J'aime pas du tout la tournure que ça prend. T'as raison. Quand Justine a cette tête-là, ça annonce de la bagarre. Je pouvais quand même pas la laisser en panne. Ah, parce que vous étiez en panne. Mais oui, mon scooter, il a fait pouf pouf et il s'est arrêté sur le bord de la route. Ah oui, je vois. Et Jérôme a démonté le carburateur et changé les bougies. Il vous a déjà raconté. Il était formidable. Il était complètement de l'autre côté de la rue. Il a fait demi-tour. Il s'est arrêté à côté de moi. Au début, je l'ai pris pour un dragueur. Il a commencé par me dire que j'avais de beaux yeux. Bah quoi, c'est vrai qu'elle a des jolis yeux. Après, il a été formidable. Il a dévissé mon capot, il s'est occupé de tout. C'est rare de rencontrer un garçon si galant. Exagérons rien. Si, si, vous avez été formidable. Et c'était vraiment sympa de m'inviter à prendre un chocolat chaud pour me réchauffer. Fallait bien que je me lave les mains. Oui, surtout que personne ne l'attendait. Ça y est, c'est parti. Hey, tiens, moi je préfère pas rester là. Hein. Hey, mais où vous allez, vous deux? Restez. Au contraire, ça commence à devenir intéressant. Et là, pourquoi est-ce que vous vouliez voir Jérôme? Vous avez autre chose en panne? Justine, s'il te plaît. Non, mais je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai dû vous donner un mauvais numéro de téléphone. Ça aurait été idiot si vous m'aviez appelé pour aller au ciné ce week-end et si vous ne m'aviez pas trouvé. Ah, parce qu'il vous a invité pour aller au ciné ce week-end. Bah oui, vous savez, ça fait pas longtemps que je suis ici et je connais personne. Juste une cousine que j'ai pas vue depuis 2 ans. C'est vraiment sympa de la part de Jérôme de s'occuper de moi. Oui, surtout qu'il vient d'avoir un grand chagrin d'amour. Sa petite amie vient de le quitter. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que c'est vrai, ça vient juste d'arriver. Ah non, il avait vraiment besoin de vous. Il avait besoin de quelqu'un. J'étais sûre que ça finirait mal. Oh là 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 là! Mon pauvre petit Jérôme, mais c'est terrible. Et vous avez du chagrin? Pas du tout. Surtout depuis que je vous connais. Ah Sylvie, mais tu es là? Ah Lisa, c'est elle ma cousine. Bah décidément, j'ai vraiment pas de chance avec cette famille, hein. J'aurais jamais cru. Ouais, et avec tout ça, je vais encore avoir 0. Justine, faut que je te parle. Bon bah, je t'attends devant la porte. Oh bah, de toute façon, j'en ai pas pour longtemps. Alors? Bah voilà. Je voulais te dire au sujet de Sylvie que je voulais pas que tu croies que... Ne t'inquiète pas, je ne crois rien du tout. Ça me rassure, parce que ce matin, j'étais un petit peu mal. Ah bon? Ça s'est pas vu du tout. Au contraire, t'avais l'air très à l'aise. Bah, c'est normal, vis-à-vis des autres, je voulais pas avoir l'air... T'as compris, c'est le principal. Oui. Eh ben, tu m'excuses, mais il y a Annette qui m'attend dehors, hein. Elle peut attendre, non? Tu veux pas aller boire un café? Oh, tu sais, le café, il faut pas trop en abuser.
C'est pas pour le café, c'est pour être ensemble. Tu crois qu'il y a urgence? Faudrait qu'on se parle, non? Oh, mais Jérôme, ne fais pas cette tête-là. Sois pas embêté. De toute façon, je ne vais pas m'accrocher, je ne vais pas te faire de scène, j'ai tout compris. Et puis, statistiquement, il y avait très peu de chances que ça dure, nous deux. Mais t'es folle de quoi tu parles? T'as pas lu? Dans un journal, il faisait une enquête. Et ben, il y a seulement 9% des couples qui sont connus avant 14 ans qui continuent à se fréquenter 10 ans plus tard. Qu'est-ce que c'est que ces statistiques bidons? Écoute, Justine. Ça va, Jérôme. Si t'as craqué pour cette fille, tu peux rien. C'est vrai que elle est beaucoup plus belle que moi. Mais non, elle est pas plus belle que toi. Et bien alors, c'est que je t'apporte pas tout ce que tu as en droit d'attendre d'une fille. Ouais, ben, c'est bien ce que je pensais, t'as rien compris. Mais si, j'ai tout compris. Allez, à demain. Voilà. Françoise lui prend les mains. Ça, c'est bien, ça. Il lui prend les mains. Voilà. Bon, le docteur Darnal va l'embrasser, il va lui faire une petite bise. Et oui, une petite bise. Comme ça. Une deuxième, ça ferait peut-être beaucoup. Oui, non, une seule, ça va. Hein? Ah bah oui, mais après, si elle pleure, bah ça va plus, là, je suis bloqué. Je suis bloqué, maintenant. Salut, Roger. Salut. Alors, toujours en plein drame? Oh, m'en parle pas, je sais pas comment je vais m'en sortir. Attends, fais voir. Ouais. François prend les mains du docteur Darnal. Ouais. François, ouais. Ah bah non, 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 c'est Françoise, ouais. C'est une faute de frappe. Ouais. 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 Notre amour est impossible, lui dit-elle. Ouais. Mais pourquoi, s'écrie docteur Darnal. Ouais. Et là, Françoise ne répond pas. Une larme coule sur sa joue. Oh. Ah, dis donc, ça va faire pleurer dans la chaumière, hein, ton truc. Tu crois? Et, ah oui. Et ça te plaît? Ben, moi, tu sais, les histoires à l'eau de rose, c'est pas tellement mon truc. Ah, c'est sympa, hein, sinon c'est... Et voilà. Et voilà. Voilà les enfants. Leur pauvre père se tue à l'ouvrage pour assurer leur avenir et leur offrir tout ce dont elles ont besoin. Et quand on leur demande comment elles trouvent le fruit de longues heures de labeur, elles vont répondre, les histoires à l'eau de rose, c'est pas tellement mon truc. Ah. Ah, je comprends que Victor Hugo n'ait pas eu d'enfants, je comprends. Victor, t'avais raison. T'es sûr qu'il n'avait pas une fille qui s'appelait Adèle ou quelque chose comme ça? Alors il a eu tort. Victor, t'as eu tort! Tu sais, Roger, ouais. Au lieu de te casser la tête à écrire des trucs sentimentaux, tu devrais écrire du comique. Je suis sûre que t'aurais du talent. Ah bon, tu crois? Mais oui, et puis tu sais, je dis ça pour te faire râler, mais les trois quarts des filles de ma classe regardent Amour toujours à la télé. Et le quart restant? Restant, bah, leur télé est en panne. Mais ils demandent aux autres de leur raconter. Hein. Mais Gigi, t'es adorable. Heureusement que je t'aime. Roger. Oui. Si tu m'appelles encore Juju, je t'appelle papa. Oh non. Oh non. Oh non, pitié. Pitié, Justine. Que diraient mes milliers d'admiratrices si elles t'entendaient m'appeler papa? La prochaine fois, je le fais. D'accord. Marie-Hélène ne sont pas là? Non, non, non. Elles sont allées faire du shopping. Ta mère profite au maximum de sa semaine de congé. Bah ça tombe bien parce que je vais te poser une question. Ah, qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Bah non, pas vraiment, mais je voulais te demander. Combien il y a de chances pour qu'une statistique ne se réalise pas? Je comprends pas très bien ce que tu veux dire. Attends ça. Bah, par exemple, si les statistiques disent que... Je sais pas, imagine que 9% des filles de 14 ans échappent à la rubéole. Combien j'ai de chances de l'attraper? Bah, 91 chances sur 100. Non, c'est bien ce que je pensais. J'ai pratiquement aucune chance de passer au travers. Pourquoi? T'as la rubéole? Mais non, c'est juste un exemple. Attends, Justine, explique-moi. Toi, t'as un problème. Bah non, pourquoi tu dis ça? Quand une jeune fille comme toi commence à parler de statistiques... Mais non, c'est pour rendre service à une amie. Elle a un petit copain auquel elle tient beaucoup et elle a lu dans un journal que 9% des couples qui se sont rencontrés avant 14 ans ne se fréquentent plus 10 ans après. Attends, laisse-moi comprendre là. 9% tu dis? Ouais. Non, mais c'est mathématique. Ma copine n'a aucune chance de garder son petit copain. Mais pourquoi tu dis ça? Il lui reste quand même des chances. Exactement 9 chances sur 100. Ouais,
C'est négligeable. Mais non, c'est pas négligeable. Il suffit de faire partie de ces 9 personnes sur 100. Et comme il s'agit de couple, ils sont 18 d'ailleurs à avoir une chance. Tu crois vraiment que c'est pas négligeable? Mais oui, je t'assure, mais tu sais, 9% de chance, c'est énorme. Tu crois vraiment? Mais oui, il suffit de bien savoir les utiliser. Oh Roger, je t'adore. Faut parler mathématiques pour qu'elle me le dise. Oh mais chérie. Oh, j'ai lancé monde dans les magasins. Maman a été sublime, on est passé devant tout le monde. Oui, j'aurais dû m'y attendre. Une bonne nouvelle est toujours suivie d'une mauvaise nouvelle. Oh. Allez les garçons, ça va claquer. Salut tout le monde. Jérôme, je dois te parler s'il te plaît. Attends que j'ai fini, ok? Jérôme, c'est urgent. Je prends le contrôle. Vas-y, je vais. Bon, je t'écoute. Bah, on va s'asseoir. À vos ordres, général. Voilà. Ça va barder, hein. Moi, c'est pas mes oignons, hein. Tu bois quelque chose? Non, non, non. Je suis venue juste pour m'excuser pour hier. Ah. Quand même. Bah oui. J'ai été idiote, mais tu comprends, c'est pas de ma faute. À chaque fois que je vois une fille tourner autour de toi, j'ai l'impression que tu vas partir avec elle. C'est bizarre, je n'entends plus rien. Moi non plus. Ça vous intéresse tant que ça? Mais t'es fou nous faire peur comme ça? Qu'est-ce que vous faites avec l'oreille collée contre la cloison? Nous, Mais on n'a pas l'oreille collée contre la cloison. C'est François qui essayait de m'embrasser. Bah, recommence, François, recommence. Oui, tout de suite. Ouais. Mais il y a des progrès à faire. C'était bien. Toi, as pu trouver autre chose quand même, hein? Bah, moi, c'était pour nous sauver, hein? C'était quoi? Rien, t'inquiète pas. Bon, bah. Voilà, donc. Je te demande de m'excuser pour la scène que je t'ai faite hier. Et puis aussi, je te promets que je recommencerai plus. C'est bien. C'est super de me dire des trucs comme ça. Ça a pas l'air de te faire plaisir que je te dise ça. C'est pas ça. C'est que... Bah, c'est que quoi? Je me suis excusée, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Bah oui, mais le problème, c'est que tu le fais qu'aujourd'hui. Moi, hier, je savais plus quoi faire. Tu m'avais dit que tu me laissais tomber. Oh, mais oui, mais j'étais en colère. Mais moi aussi, j'étais en colère. Alors du coup, bah, j'ai invité Isa et Sylvie à boire un verre. Eh ben, je t'en veux pas. Je te pardonne. Oui, mais c'est pas ça le problème. Ah bon? C'est quoi alors? Oh là là! Qu'est-ce qu'il va faire? C'est bizarre, ça, on n'entend plus encore. mon gros loup, encore un! Ah, vraiment, toutes les occasions sont bonnes, hein? C'était quoi encore? Non, c'était rien, c'était rien. Bon alors? Bien voilà, autant que je te le dise tout de suite. Hier, j'ai invité Isa et Sylvie à boire un verre. Mais ça, je le sais, tu me l'as déjà dit. Ouais, mais je t'ai pas tout dit. Ah bon? Ce que je t'ai pas dit, c'est que... C'est que Sylvie me plaît et je crois que j'ai envie de sortir avec elle. Justine, ça va? Ça va. Ça va, Jérôme. De toute façon... 9 chances contre 91. J'étais battue d'avance. Eh bien, tu vois, ma chérie, je n'aurais jamais cru qu'on ait besoin d'autant de choses. Mon compte en banque non plus, hein. T'inquiète pas, papa, tu sais bien que maman ne prend qu'une seule semaine de vacances par an. Bah, heureusement, parce qu'il faut bien 51 semaines pour remettre notre situation financière en état après, hein. Ah, Juju, viens voir les jeans que je t'ai achetés. Ils sont extra. Tiens, tu veux pas les essayer tout de suite? Je voudrais savoir s'ils te vont. Si tu veux, Marie. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Ça n'a pas l'air d'aller. Je suis sûr qu'ils les font trop travailler. Tu vois, chérie, c'est ça le drame de l'éducation en France.
Mais laissez-la tranquille. Merci, Marie. Ils me vont très bien. Bah, où tu vas? Travailler. Ils nous ont donné une tonne de travail. Vous voyez? Je vous l'avais dit, en France, on assomme les enfants de boulot. Le travail n'a jamais assommé personne. Tiens, tu devrais plutôt nous aider à ranger tout ça, au lieu de dire des bêtises. Oh, oui, bah. Voilà. Merci, ça va. Oui, c'est ça, mademoiselle. Voilà, excusez-moi de vous déranger, j'aurais besoin de lui parler. Vous pensez que c'est possible? Oui, oui, entrez. Entrez, bougez pas, je vais chercher. Vous êtes? Sylvie, vous lui dites Sylvie, la cousine d'Isabelle. Ça alors? Je l'aurais pas cru. Venir me narguer jusque chez moi. Mais Justine... Attends, écoute-moi, je suis pas venue te narguer. Non. T'es venu me demander le mode d'emploi de Jérôme? Il n'est pas dans la poche de son blouson? Justine, je comprends tout à fait que tu m'en veuilles, mais écoute-moi! J'ai pas du tout l'intention de te voler ton Jérôme. Ouais, c'est ça. Tu fais que m'emprunter? Mais non, est-ce que tu vas m'écouter? Toi, t'as ton Jérôme, et moi, j'ai mon Jean-François. Jean-François? Mais oui, il habite à Grenoble, comme moi, et j'y tiens. J'ai pas du tout envie de lui faire du mal avec Jérôme. Ouais. Faut pas me prendre pour une idiote. T'as quand même accepté de sortir avec Jérôme. Pas de sortir, d'aller au ciné, c'est pas pareil. Tu comprends, je suis à Paris que pour quelques jours, je connais personne, à part ma cousine Isabelle qui est plutôt du genre rasoir. Alors ça, je te le fais pas dire. Hein. Alors quand Jérôme m'a invité au ciné, j'ai accepté, mais en copain. Ouais bah, Jérôme, lui, m'a dit qu'il voulait sortir avec toi. Mais moi, j'ai pas du tout envie de sortir avec lui. Et tu le lui as dit? Bah oui. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Bah il m'a dit qu'il était soulagé parce qu'il tenait à toi et qu'il ne m'avait draguée que pour te rendre jalouse. Il t'a dit ça? Jérôme t'a dit qu'il tenait à moi? Mais oui. D'ailleurs, je crois qu'il va te le dire lui-même. Parce que... il est là. Salut, Juju. Toi alors, ma chance sur 100.